Le bijoutier chaîniste est un artisan qui fabrique des chaînes en métal, or, platine, etc. Ma passion est venue tout simplement d'un bijoutier chaîniste. Et c'est lui qui m'a transmis, quand j'avais 14-15 ans, cette passion. Aujourd'hui, nous travaillons sur un bracelet qui est vraiment un bracelet bijoutier chaîniste. C'est le Milanais. Nous avons eu la chance justement de pouvoir lancer ce bracelet chez Piaget qui pouvait orner une carrure qui est la Gala. Et ça a été une réussite. C'était une réussite autant commerciale que technique au niveau de l'atelier. Chacun y prend beaucoup de plaisir à faire ce bracelet. Il a l'air très simple, mais en fait, il est très compliqué. Alors le processus, ça commence tout simplement par faire des spires. Ces spires, elles sont enfilées les unes dans les autres, selon les largeurs de bracelet qu'on désire. Et on va venir le mettre en forme sur les côtés. C'est-à-dire après la forme que le client veut obtenir, c'est nous qui la faisons avec des cales tout simplement. C'est un bracelet très spécifique pour l'assouplir parce qu'il doit s'assouplir sous contrainte. L'historique de cette pièce, en fait, on sait peu de choses. On sait que ça vient de Milan et c'était des orfèvres qui fabriquaient des Milanais. C'est un bracelet qui a fonctionné il y a 40-50 ans à Genève, qui a très très bien fonctionné. Mais ce qui est très difficile, c'est comment on allait remettre en route, nous chez Piaget, ce bracelet. On ne pouvait pas mettre en route sans avoir toutes les références techniques, des connaissances sur ce bracelet. Les enjeux techniques, c'était plutôt des enjeux humains, c'est-à-dire qui pouvait faire ce genre de bracelet. C'est vrai que chez Piaget, j'ai appris vraiment à reconstruire un bracelet qui est le Milanais. Ça, c'était vraiment comme finir en beauté d'une vie professionnelle. Quand vous voyez naître le bracelet et que vous le voyez sur le bracelet ou dans une vitrine, vous avez fait le parcours de ce bracelet. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. On ressent beaucoup de plaisir. Peut-être pas la fierté même, mais du plaisir.